Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la Windows. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner 250 000 francs CFA en vendant ses photos sur Internet. Ceci dit, vous n'avez donc besoin d'aucune compétence particulière et ni d'aucun investissement préalable, juste de votre téléphone ou de votre ordinateur et d'une connexion à Internet. Et oui, que tu sois photographe professionnel, que tu sois photographe amateur, que tu sois passionné de la photo ou que tu sois juste quelqu'un qui veut gagner de l'argent en vendant des photos, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons commencer par vous expliquer l'opportunité, ensuite vous montrer comment poster vos images et quelles sont les erreurs à ne pas faire pour pouvoir optimiser vos gains rapidement. Et enfin, nous allons 1. Nous inscrire sur un site, 2. Nous allons configurer notre compte, configurer nos moyens de paiement et enfin nous allons poster nos premières images pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Mais juste avant de commencer, je voudrais vous dire que 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Je ne sais pas ce que vous attendez, abonnez-vous. Mettez-nous un pouce bleu si ce type de contenu vous intéresse et partagez à vos amis ceux qui veulent gagner de l'argent en vendant des images. Ceci dit, juste un rappel, c'est que tous les sites que je vais présenter dans cette vidéo seraient repostés comme articles sur notre page Facebook La Windows avec leurs avantages, leurs inconvénients et leurs particularités pour vous permettre de choisir la meilleure offre pour vous afin que vous puissiez commencer rapidement. Tu ne le sais peut-être pas, les entreprises, les auto-entrepreneurs, les blogueurs, les youtubeurs cherchent constamment des photos pour illustrer leurs idées sur leurs affiches, leurs publicités, leurs articles et même leurs vidéos. Ils sont prêts à dépenser un peu d'argent pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Pour cela, ces entreprises, à l'époque, partaient voir des organismes spécialisés ou embauchaient des photographes spécialisés. Mais ces dernières décennies, il y a eu apparition de ce qu'on appelle des banques d'images en ligne qui permettent à tous les photographes, à tous les passionnés de la photo de venir proposer leurs images déjà toutes faites, déjà toutes réalisées aux entreprises et ainsi donc tirer un maximum de revenus. C'est donc à ce niveau que nous allons entrer en jeu et proposer un maximum d'images techniques et stratégiques aux entreprises qui vont nous payer cher et voire très cher pour pouvoir se les acquérir. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de banques d'images qui ont apparu ces dernières décennies sur lesquelles nous pouvons vendre. E-Stock, Shutterstock, Photolia, Grimstime, Pixabay, Hemier, Foap, Snapweer, MeetPic, Adobe Stock, Snapped 4U, Getty Images, Etsy, Photomoto sont tous des banques d'images sur lesquelles vous pouvez vendre vos images. Mais sauf que chaque banque d'images a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients que je vous invite à aller regarder sur la page Facebook La Windows. Comment faire que les entreprises, les blogueurs achètent et s'attardent sur nos photos, sur nos selfies, sur nos stocks? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Déjà, je voudrais vous dire que les images, donc les selfies de nous qu'on fait souvent, ces selfies sont très peu achetées, ne sont voire pas du tout intéressantes pour les entreprises, pour les blogueurs. Donc, il faut premièrement avoir une niche. Parce qu'avec la niche, on sait que si on vient sur ton profil, que tu es spécialisé dans un type d'image en particulier, comme par exemple les images de cuisine, c'est-à-dire nourriture, restaurant et tout ce qui part avec. Comment ces sites fonctionnent? Lorsque vous postez vos images sur le site dans votre compte, n'est-ce pas? Le site en question se charge de proposer vos images aux entreprises. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'avoir de bonnes images. Et donc, s'ils sont intéressés, ils achèteront. Il est à noter que 500 personnes peuvent acheter la même image. Vous pouvez gagner des revenus à vie en vendant juste des images. Pour revenir donc à la question comment maximiser ses gains sur ce site, c'est très simple. Premièrement, il faudra que tes photos soient de qualité. Parce qu'ils ne pensent pas, nous deux, nous ne pensons pas que en postant une image toute floue, les gens vont acheter ça, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tes images soient de très bonne qualité. Et déjà, ce n'est pas un problème puisque
Nos téléphones sont capables de prendre des selfies en 2K, 4K et voire beaucoup plus. Deuxièmement, pour pouvoir maximiser ses gains, il faudrait avoir une niche. Mais c'est vrai que c'est facultatif. Mais je pense que le fait d'avoir une niche, de se spécialiser dans un certain type de photo, vous donne un avantage parce que lorsque l'entreprise arrive, il sait exactement dans quelle banque d'images il doit chercher. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si vous faites par exemple dans la restauration, donc vous filmez, vous avez de très belles images de style de restaurant, de personnes qui mangent à table. Alors, lorsque un restaurant aura besoin par exemple de ces services, aura besoin de ces images, de ces illustrations, il va directement venir sur des comptes appropriés et non commencer à chercher dans le vaste étendue d'images que le site peut proposer. Le troisième point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le fait de la récurrence. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas poster une image puis vous allez devenir millionnaire. Non, quand je parle de récurrence, ça veut dire que fréquemment, déjà chaque semaine, vous devez poster en moyenne 5 images. 5 images en rapport avec votre niche. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'entreprise ou la personne va arriver sur votre page, il y aura l'embarras du choix. L'avantage avec la vente d'images en ligne, c'est que c'est un business à vie. Dès que vous avez commencé à poster et que vous générez déjà des revenus, ces revenus seront à vie puisque une image peut être vendue plusieurs fois à plusieurs personnes différentes. Donc du coup, vos images vont persister sur le long et le très long terme. Allons alors directement sur mon ordinateur. On s'inscrit sur notre site. On configure notre compte. On configure nos moyens de paiement. Et on poste notre première image. Alors, c'est parti. Ok les gars, nous voici directement sur mon écran d'ordinateur. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va aller directement dans Opera. Ensuite, vous tapez Dream Style. Ensuite, on entre sur le premier lien. Vous allez tomber directement sur un menu comme ceci. On va aller ici juste en haut dans Inscrivez-vous gratuitement. On va entrer rapidement notre adresse mail et notre mot de passe. Et on fait s'inscrire. Comme moi, j'ai déjà un compte, je vais directement aller sur mon compte rapidement. Lorsque vous vous êtes inscrit, la deuxième chose, c'est de paramétrer vos comptes. Donc, vous cliquez sur votre nom juste en haut. Vous partez sur Espace membre, modifier le profil. Vous allez remplir votre nom, votre prénom, votre email, votre coordonnées, votre code postal. Maintenant, comment poster? Pour poster, c'est tout simple. Vous descendez juste au fond de l'écran. Vous allez dans Vendre des photos. Vous cliquez juste sur Vendre. Ensuite, un truc comme celui-ci va s'afficher. Vous pouvez cliquer directement là. Ensuite, aller sélectionner une image. Ou vous allez directement dans le dossier où il y a votre image. Moi, j'en ai déjà sélectionné une. Vous cliquez, vous sélectionnez et vous glissez, vous posez. Voilà le téléchargement de l'image qui est en cours. Dès que le téléchargement est fini, vous cliquez sur l'image, vous allez tomber sur un menu comme celui-ci. Et si vous allez remplir le nom, description, très rapidement, vous mettez une description. Vous pouvez un peu parler de l'endroit, comment ça fonctionne. Ensuite, vous mettez la catégorie. Moi, déjà, elle est toute faite. Voici tous les mots-clés qui vont aller avec. Vous partez sur customiser prix et vous-même vous sélectionnez le prix à laquelle vous allez vendre cette image. Par exemple, moi je vais mettre rapidement 5$. Et dès que c'est bon, vous cliquez et voilà. Notre image vient juste d'être postée et est déjà prêt à être commercialisé. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui faisons la publicité de nos images, c'est directement le site qui se charge de proposer nos images. Donc je pense que c'était tout rapidement pour cette petite vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans La Vendeuse. Ciao.